Bonjour tout le monde, c'est le garçon, je me retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je suis sur Just 3 et je vais vous montrer le Wind Suite au Bavarium. Alors pour l'avoir, c'est très simple. Alors si vous avez Just Cause 3 XXL, c'est facile. Normalement vous l'avez. Normalement moi j'ai Just Cause 3 normal. Alors vous devez acheter le DLC Sky Fortress. Et bien évidemment, après, on va changer le Winsuit. On peut soit mettre le Winsuit normal, soit le Winsuit au Bavarium. Moi, je vais vous montrer le Winsuit au Bavarium, parce que le Winsuit normal, tout le monde le connaît. Donc voilà, il est trop bien. Après, vous débloquez une forteresse. Et bon, la forteresse, elle est là-bas, je crois. Voilà. Et vous avez vraiment pas beaucoup de missions. Mais quand je dis vraiment pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Le truc que j'ai acheté hier, je l'ai fini en 30 minutes. Parce qu'en fait, c'est pas le seul DLC. Après, il y en a deux autres. Même si c'est pour encore un truc tout comme ça. C'est bien. Mais comment il n'y a pas trop beaucoup de missions. Et après, on va faire des défis. Voilà. Après, je vais baisser le son du jeu parce que c'est un petit peu fort. Vous voyez? Bon, la première mission en fait, c'est débloquer ça là. Mais ce qui est bizarre, c'est une fois qu'il est à vous, ben voilà, il y a des drones qui vous attaquent. Il y a des missiles, des mitrailleuses. Mitrailleuses, c'est quand même. C'est... Il vous apprendra à le piloter si vous achetez le DLC. C'est hyper simple. Moi j'adore un truc, c'est avec passer sous les ponts. C'est trop facile. Aussi avec les missiles de Bavarium, vous pouvez détruire des ponts. Oh, et quand vous avez pris deux missiles de Bavarium, donc l'amélioration de deux missiles de Bavarium, je vais vous montrer les modifications. Voilà, donc quand vous avez les deux missiles au Bavarium, donc un missile de plus, et ben vous faites, et ben vous, et si vous avez plus de batterie, ben vous faites comme ça. Attendez, j'ai plus de batterie, faites comme ça. Après, ça se recharge pas. Donc voilà. Les missiles au Bavarium, regardez, si vous en avez deux, vous tirez une fois, vous attendez que c'est assez cool, vous retirez une fois, vous attendez que c'est assez cool, vous retirez, en fait, vous en avez à l'infini comme ça. Pas besoin de attendre la charge seule. Ouais. Pardon. Les ponts là par exemple. Ah bah moi bon, là je fais la chauffeur. Vraiment moi je vous conseille vraiment d'acheter le DLC. Parce que... Enfin, je vous conseille pas. Si vous voulez tout de suite au Bavarium avec les forteresses, des missions supplémentaires. Avec des armes supplémentaires. Et un drone pour vous aider à combattre les ennemis. Moi je dis que ce DLC il est fait pour vous parce que il est pas mal. Hein. Enfin, j'ai fini le DLC mais j'ai pas fini les défis. Et après il y a des petites missions à mettre. Bon voilà quoi. Après il y a un inconvénient. Ouais, pas inconvénient en fait. Parfois, c'est ça. Mais bon c'est tout pour cette vidéo. J'espère vous a plu. Si c'est le cas, donc n'oubliez pas de lâcher un like. Je crois que j'avais oublié un truc. Ah oui, si vous êtes en parachute et que vous avez la flemme d'utiliser soit le grappin soit le parachute, vous prenez le Winsuit et vous mettez l'aérofrein. En fait, je vais essayer de vous montrer. Bon, vite fait, juste que je pars dans la station. Ah, mais non.
vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like. Allez, ciao.